Bon. Qui vit? Le président national. Et qui vivra? Dans le grand parti national. RDPC, DP, Fofore, où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter les conseils de monsieur le préfet de la MENA. LDPC, les pères fauferés, où allez-vous? Où allez-vous? Nous allons écouter les conseils de monsieur le préfet de la MENA. Voyou, nous sommes qui? Mais qui perturbe la réunion comme ça? Hein? Vous ne me perturbez pas. C'est les qui là? Hein? Mbunga? Papa? Mbunga? Papa? Ah, c'est qui? Ah, Michel. Mais je vous ai dit que je ne suis pas là, non? Hein? Ah, Mbunga? Passez-le-moi sur mon téléphone circulaire, voir. C'est ça, papa? Non, papa. Il m'appelle sur l'argent. Allô? Nkamko? Michel? Ça va? Tu m'appelles comme ça d'où? De Londres ou bien d'Italie? Oh, tu es déjà à Paris? Oh, Paris, ça va bien. Mais il fait très froid à Paris, hein? Bon, 31 degrés. J'ai vu ça au télévision sur le CFI. On nous a installé maintenant les antennes parasoniques là sur le toit. Ouais. Est-ce que tu as mis les piles au vert, Michel? Il faut mettre les piles au vert, mon chéri. La santé avant tout. Ouais. Non, tout le monde sont bien. Même ta mère. Sauf sa maladie. Elle est toujours affalée là sur les fauteuils. Même un simple examen d'urine qu'elle est partie faire la semaine dernière. Elle a échoué. Ouais. Elle a un mal dedans. Même un autre dehors. Qui lui fait très mal. Oh, c'est ça la vie, Michel. Mais Michel, qu'est-ce que j'entends, Jean? Ngambo, sur toutes les facultés qui existent là-bas à Paris, vous avez choisi seulement la psychologie. Hein? Mais psychologie, c'est quoi? Psychologie en Kaba. Ça donne l'argent. Hein, Michel? Il faut vous faire pharmacie. Il faut faire pharmacie. Autre. C'est ça qui marche un peu bien pour le moment. Hein, Michel? Allô? Ouais. Les gens sont trop malades ici. Ouais. La crise. Quelle crise? Ah, moi. Que les gens peuvent être pauvres comment jusqu'à ils manquent l'argent des médicaments. Oh, Michel, tu m'es déçu. Il faut faire pharmacie. Comme ça, tu finis ton étude. Tu viens ici, je te donne l'aile gauche de la maison, tu ouvres ta boutique de médicaments. Moi-même, je pars à l'angle droite, j'ouvre mon pompe funeste. Comme ça, si ça te dépasse là-bas, tu m'envoies directement. Ça ne peut pas me dépasser. On va, Michel. Alors, ouais, les gens sont trop malades ici. Et moi-même. Oh, Michel. Tu connais Monsieur Nkwe, hein? Nkwe Charles Debonnet. Il est mort. On paie à son âne. On va le purer samedi. Ouais. J'ai déjà acheté un carton d'ingombon. Des huissons blancs. Hein? Les gens aiment trop ça au funérage. Juste après sa levée du corps, on va partir au village pour son humiliation. Hein, Michel? Hein? Allô? Ouais, Michel? Et Madame de la Rosière, votre nouvelle gouvernante, elle vous cuit bien? Elle faut que vous prépare bien nourriture. Parce que je lui paye le SMIC. À part sur Paris, même là-bas à Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent le SMIC. Hein? Oh, oui, Michel, est-ce que vous êtes déjà mangé? Hein? Mangez-vous? Oui.
Ndanga, il faut apprendre que j'ai interdit le ndolé. Nga cho ndolé. Je vous ai envoyé à Paris pour manger le ndolé. Et vous mangez de pizza. Quoi, avec saumon fumé. Avec les garnitures sur ça. Et vous mangez des œufs frits. Avec des omelettes sur ça. Je suis le premier noir que j'ai recruté une femme blanche. Oh, you are, Madame de la Rosière doit bien vous entretenir. Ouais. Alors, Michel, si tu viens ici en vacances, ne sois pas surpris que tout le monde m'appelle honorable. Hein? Ouais. Le secrétaire général du comité de base m'a coopté. Et veut que je me présente aux élections législatives. Oui. Non. On ne demande pas le diplôme sur ça. Oui, j'ai refusé n'importe comment. Mais fin de fin, j'ai quand même accepté. Parce que aujourd'hui, les impôts sont maintenant trop élevés. Oh, Michel. Ouais. Ah non, il n'y a pas de problème. Il dit que tous les monde sur sa liste seront élus. Ils ont déjà tout arrangé. Même les urnes sont déjà bourrées. Ouais. On connaît même déjà les résultats. J'ai même demandé que moi mette un gendarme. Que me donnent les gendarmes qui restent souvent devant la voiture. Ils m'ont dit que mon ami attend quand même que les élections passent. Monsieur. Honorable. Tu me vois, je marche que honorable. Et non, qui est fou. Quand j'étais dans le SDF, j'étais aussi dans le NDPC. Il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Monsieur, vous savez, quand j'étais dans le SDF, j'étais un membre d'honneur. Je leur ai tout donné. J'ai profité quoi? Maintenant, le commerce est très compliqué. Ah, mon Shangago assemblée. Ouais. Comme ça, avec mon humidité parlementaire, je saute la douane et les impôts. Me voyager pour première classe. C'est ça. Allô, Michel. D'ailleurs même, tu m'appelais même pourquoi? 2 millions. Je vous ai envoyé 1 500 000 tous les mois. 1 500 000 qu'à quoi? Tu fais quoi même? Hein? Pour faire quoi? Une croisière, beaucoup. C'est quoi la croisette? Oh, ce voyage-là qu'on va faire dans le bateau. Oh ouais. Si tu arrives là, en Italie, il y a un hôtel qu'on appelle Hôtel Le Nègre. Il faut dormir là. C'est un hôtel que je suis actionnaire sur ça. Comme ça, on va savoir que ton père est aussi quelqu'un. Oh, yo, Amisé. Bon, salue-moi tout le monde. Hein. Nous sommes ici en plein comité. Salue-moi Guy, qui est à Londres. Puis, Chacho Bernard, qui est en Angleterre. Et Saint-Soupier et Giscard. Yembe Bordeaux. Hein. Salue-moi tout le monde. Hein. Oh, restez bien. Oh, bon. Je vous accroche. Oh, merci. Oh, vraiment. Nous autres, qu'on a les enfants en Europe, hein? Ah, excusez-moi. Nous allons maintenant continuer avec notre réunion. RDP, c'est RDP pour vous.